pour détendre l'atmosphère après plusieurs épisodes un peu lourds, hein, je vous propose une compile d'idées reçues sur le thème des chiens et des chats, ce qui va me permettre de blinder cette vidéo de petits extraits de chatons et de chiots trop mignons, et ainsi conquérir l'internet mondial. Mais c'est intéressant aussi. Première idée reçue, les chiens n'aiment pas les chats. Oh, la guerre éternelle. Les chiens auraient une aversion innée pour les chats et vice-versa. Alors oui, les prédateurs domestiqués peuvent avoir tendance à se craindre. Mais c'est surtout dû au fait que les chats et les chiens sont les animaux domestiques les plus courants, donc souvent forcés à la cohabitation. Mais il n'y a pas particulièrement de détestation entre les chats et les chiens. Et je crois que le meilleur argument reste... Un chien ayant la truffe chaude est malade. Bon, alors comment elle est cette petite truffe? Ouh, elle est chaude la truffe de ton chien là. Attention, il est malade. Ah si, mais moi je connais bien moi, attention. Allons, on ne détermine pas la santé d'un chien en touchant sa truffe. Ça ne permet évidemment pas de poser un diagnostic. En revanche, les modifications du comportement, de la manière de manger, de faire ses besoins, de jouer, ça, ce sont des facteurs nettement plus parlants. Et si votre chien a l'air pas bien, que vous le suspectez d'avoir de la fièvre, un thermomètre dans le fion et vous en aurez le cœur net. Ah, 38,5, il est malade. Non, la température normale du chien est entre 38 degrés et 39. Donc chez eux, on parle de fièvre à partir de 39. Un chien qui remue la queue est forcément content. Non, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors j'ai pas le temps de devenir un expert en traduction de langage de queue de chien pour la vidéo, mais remuer la queue égale content, c'est bon. Pour les humains, en revanche, idem pour le ronronnement du chat, d'ailleurs. Hein. Quand il ronronne, ça ne veut pas forcément dire qu'il est au top. Et non. Ce que tu manges est bon aussi pour ton animal. Allez, tiens, ça c'est pour toi. Oh, ceci c'est bon pour moi, c'est bon pour lui. Non, vous n'êtes pas de la même espèce, donc vous ne digérez pas forcément les mêmes aliments. Alors tu te renseignes avant de lui donner n'importe quoi. Genre ail, oignon, pommes de terre, les œufs crus, chocolat, rhubarbe, les raisins secs aussi, contiennent des substances qui peuvent être carrément toxiques. Et pareil pour les médicaments, là c'est pire. Oh, un petit peu de paracétamol pour le chat qui est un peu malade, ça peut pas lui faire de mal. Bah si, c'est mortel pour lui. 250 mg de paracétamol, ça peut tuer un chat de 5 kg. C'est pour ça qu'on amène les humains chez le médecin et les animaux chez le vétérinaire. Ouais. On récompense un chien en lui donnant un petit sucre. Alors non, car c'est bien connu, le sucre rend les chiens aveugles. Ah non, tiens, c'est un mythe aussi. En fait, il ne faut pas donner de sucre à un chien juste parce que c'est pas bon pour lui, quoi. Ça peut être cause de surpoids et peut engendrer du diabète. Pour les humains aussi, d'ailleurs, on rappelle. C'est marrant ça, quand même, parce que quand je cherche pourquoi faut pas donner de sucre à un chien, je trouve pour éviter le surpoids et le diabète. Je lis aussi qu'il faut éviter de donner au chat du thon, du poisson en conserve, parce que c'est trop riche en sel et autres conservateurs et que ça contient plus beaucoup de substances nutritives. Et aussi qu'il ne faut pas donner de lait à un chat. Pourquoi? Parce qu'il a plus les enzymes pour le digérer convenablement à l'âge adulte. C'est donc pour les mêmes raisons qu'il ne faut pas en donner non plus aux humains. En fait, c'est marrant ça, hein. À partir du moment où le consommateur n'est pas vraiment responsable des achats, on s'inquiète de sa santé. Alors que sinon pour le reste, non, non, buvez du lait les humains et mangez des aliments industrialisés produits pour pas cher, c'est bien, c'est bon. Monde cruel! Le chat est cruel avec sa proie. C'est vrai que quand on voit un chat jouer avec sa proie sans la manger, ça sent la cruauté gratuite. Mais à mon avis, c'est surtout parce que les chats ont souvent une tête de méchant. Mais faut pas oublier que sur des millions et des millions d'années d'évolution, eh bien les chats qui avaient naturellement cet instinct de jouer et de buter tous les trucs en mouvement et de sauter sur tout ce qui bouge, ont forcément mieux survécu que les chats qui s'intéressaient à rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des chats font ça. Et maintenant qu'ils sont domestiqués, ils n'ont plus besoin de chasser pour se nourrir, mais ont conservé cet instinct hyper ancré de tuer plein de trucs pour le fun. Ce qui est une catastrophe écologique, d'ailleurs. On a beaucoup trop de prédateurs au mètre carré à cause de ça. Quand les animaux lèchent leurs plaies, ça accélère la cicatrisation. S'ils font ça instinctivement, c'est que la salive doit tout aseptiser. Alors oui, mais non. En fait, ça cause ralentissement de la cicatrisation, risque d'irritation et d'infection. Donc arrête de lécher et viens, on va désinfecter ça proprement.
Les chiens voient en noir et blanc. Non. Ils sont tellement bigleux par rapport à nous, ces êtres inférieurs. Alors, ils voient moins de couleurs que nous, certes, mais c'est pas du noir et blanc. Et ils voient beaucoup mieux que nous les objets en mouvement, par exemple. Et pareil, en vision de nuit, ils nous mettent une grosse pilée aussi. Donc on descend. Il faut punir un chien sale en lui mettant sa truffe dans son caca. Bon, t'es qui a fait ce gros caca? Pas du tout dans sa caisse, là, hein? Alors tiens, voilà, tiens, t'imprimes. Et tu te casses, brutis de chien. Alors, ça paraît très clair comme ça, sauf que les animaux, ils ont pas le même que nous, par rapport aux excréments. Bouffer ses propres déjections est même un comportement plutôt fréquent chez les chiens. Le caca, c'est délicieux. Donc, en lui foutant la truffe dans sa merde, si ça se trouve, tu lui fais même plaisir, tu vois. Réprimer verbalement le chien fera l'affaire. Et enfin, un chat retombe toujours sur ses pattes. Ah, s'il est vrai que nos félins sont dotés d'une agilité et d'un sens de l'équilibre hors du commun, ça ne les empêche pas de se récher la gueule bien comme il faut. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur argument que... Il reste vraiment trop mignon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, non, tout ce qu'on raconte sur les chiens et les chats n'est pas forcément vrai. Grosse annonce, grosse surprise, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé dans les commentaires de toutes mes vidéos quand est-ce que l'encyclospectacle sera disponible en DVD ou disponible sur internet. Et bien avec France Télévisions, on a décidé de vous faire un petit cadeau pour ce confinement. Mon spectacle, capté au Casino de Paris, est disponible en intégralité dès aujourd'hui pendant 30 jours sur l'application Ocou, gratuite et sans publicité. Voilà, donc c'est disponible dès maintenant, je vous mets le lien en description. Pendant 30 jours, vous avez juste à télécharger l'application Ocou, c'est gratuit. C'est que pour les résidents français, en revanche. Donc désolé pour les gens qui me suivent de Belgique, de Suisse ou du Québec, faudra attendre que ce soit disponible chez vous, ou alors en passant par un VPN peut-être. Ça ne remet pas en question la tournée de l'encyclospectacle qui va quand même se continuer. Les dates vont être reportées, et pour l'instant l'Olympia, le 3 juin, est maintenu. Oh voilà, je suis super excité que vous ayez accès à mon spectacle, que vous étiez nombreux à réclamer, donc vous allez pouvoir le voir. N'hésitez pas à faire tourner à vos copains. Et je rappelle aussi que j'ai lancé le concours Safari Jardin. Donc tous ceux qui ont un jardin et un appareil photo pendant leur confinement, allez prendre les oiseaux de votre jardin et poster les photos sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Safari Jardin. J'avais annoncé la date butoir du 7 avril. Finalement, ce sera le 14 avril, la Saint-Maxime. Donc ça fait une semaine de plus pour aller shooter les petits oiseaux. Je vous fais des cucu à tous et oh, j'espère que le spectacle vous plaira. Allez cucu. Il y a encore, malheureusement, beaucoup trop de personnes qui ne savent pas faire la différence entre un pingouin et un manchot. Alors.